Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Bernabéu pour vous commenter ce match. Hervé Matou, c'est moi. C'est une rencontre de l'UEFA Champions League que nous allons suivre ensemble, un match de groupe. Le Real Madrid contre Manchester City. Il va falloir aller à l'essentiel, essayer de se qualifier le plus rapidement possible pour sortir de ces phases de groupe avec un plein de confiance. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Allez, on redouble les passes. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer. Rodri. Très beau geste défensif, il y avait danger, hein, il fallait le faire. Benzema qui perd ce ballon. Riyad Mahrez. Centre contré par David Alaba. Bonne lecture de Rodri qui intercepte. Essaye de trouver la faille. Ouais, Thibaut Courtois est là. L'équipe visiteuse qui ne devrait pas jouer repliée, hein, qui aime bien jouer assez haut sur le terrain, aller faire du pressing, mettre la pression sur son adversaire, même à l'extérieur. Riyad Mahrez. Hollande. João Cancelo. Oula, il y avait quand même un risque de pénalty là. Riyad Mahrez. Bon, attention, c'est pas fini. Il revient à la faute, hein. C'est bien arbitré. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Le Real Madrid qui s'approche du but. Le ballon qui revient dans l'axe. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Premier corner depuis longtemps, hein. Et le public qui a compris que c'était une bonne occasion pour peut-être... Oh, la transversale! Attention, c'est pas fini, ça continue! Théo Cancelo. Rodri. L'action qui se poursuit. Et l'attaque va s'arrêter là. Ce sera une touche pour City. Centre peut-être, allez. João Cancelo. Rodrigo. Une phase de possession en attendant la faille. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes. Il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Quelques statistiques, vous le voyez, pour illustrer ce que l'on observe depuis le début de cette partie. Ce match extrêmement serré et ce 0-0. Oh, la faute! Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Karim Benzema. Luka Modric. Oh, le pénalty! Pénalty pour le Real Madrid, sifflé à l'instant par l'arbitre.
problème dans les gants. Madrid. Hollande. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Avec De Bruyne. Ouais, belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement. 0-0 pour le moment. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Ouais, défenseur qui est passé. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Toujours Karim Benzema. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Modri. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah oui, il est passé, Karim Benzema. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Cherche le point de pénalty. Encore un pénalty. Le deuxième pour cette équipe aujourd'hui. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Qui est transformé. Voilà, on revoit cette superbe Panenka. Faut le tenter, hein. faut l'oser. Et quand c'est réussi, c'est beau. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Antonio Rüdiger. Eder Militao. Il mène le score, ils font tourner le ballon. Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Oh, il a enlevé le défenseur. Bonne intervention du gardien qui repousse. Et corner, la possibilité pour cette équipe d'accentuer son avance. Oh non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Un ballon perdu par Kyle Walker. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Joao Cancelo, Phil Foden. Joao Cancelo, bon tacle. Hollande. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Dani Carvajal. Luka Modric. Karim Benzema. Oh, il a pris un bon tampon, mais il continue à jouer. Comme ça n'a rien donné, l'arbitre revient à la faute.
Ah, l'entraîneur il ose, en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Benzema, ouais, bien anticipé dans les buts. Ce coup franc qui n'est pas assez appuyé. Oui. Il faut l'aide. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Il faut partir vers le deuxième poteau. Mauvaise relance. Luka Modric. Il n'en reste plus que 9 minutes à jouer avant cette partie. Benzema. Ces 5 dernières minutes qui risquent d'être très longues parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Ah, le mauvais dégagement mal fait. On sent que le public est concerné. Tout reste possible dans cette partie. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Dani Carvajal. Va-t-il parvenir à centrer? Tire. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. L'arbitre qui met un terme à cette première rencontre de Ligue des Champions pour le Real Madrid cette saison. Et déjà 3 points en compteur. Ah, c'est le scénario parfait. Prendre un bon départ, c'est important. Une victoire pour commencer. Ça permet d'aborder la suite avec sérénité. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Ouais, grosse prestation de sa part. Beaucoup d'occasions. Et puis, il marque le but de la victoire.